Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être un podcast tricot. Donc, ça fait assez longtemps que j'en ai pas fait pour la simple et bonne raison que j'ai peu tricoté, donc j'avais peu de choses à vous montrer. Je pense aussi qu'il est plus pertinent pour moi que je fasse des podcasts tricot une fois par saison. Donc là, on est bien dans l'automne, c'est parfait. Il a fait un peu chaud en juillet-août pour tricoter pour moi et j'ai eu un souci avec un patron, je vais vous raconter tout ça. Ce qui fait que j'avais pas grand chose à vous présenter et j'ai de moins en moins le temps de tricoter, même si j'adore ça. Donc, à date, le plus pertinent, c'est vraiment que je fasse un podcast par saison au niveau tricot. J'espère que ça vous conviendra. Si jamais si vous n'aimez pas les vidéos tricot, parce que normalement je fais de la couture sur ma chaîne, et bien écoutez, on se retrouve dans quelques semaines pour une nouvelle vidéo couture. En attendant, c'est parti. Donc, j'ai mon petit carnet de notes avec moi. J'ai regardé mon dernier podcast tricot date d'il y a plusieurs mois. J'ai alors été chercher ce que j'avais tricoté depuis. Il y a eu pas mal de choses. Puisque la dernière fois dans mon podcast tricot, je vous présentais celui-ci qui est le pull Daisy de chez Atelier Émilie. Et je l'ai fini en février, quelque chose comme ça. Allez, entre février et avril. Donc j'ai tricoté 3 pulls depuis, enfin 2 gilets, 1 pull, une chaussette. Mais la chaussette, je l'ai tricotée en mai, donc il n'y a pas grand intérêt, les chaussettes vraiment, j'arrive pas à m'y mettre, ça ne me plaît pas du tout. Donc on va faire un podcast tricot classique où je vais vous présenter les projets terminés. J'en ai donc 3, dont un que j'ai donné, donc que je n'aurai pas avec moi. Mon projet en cours, ainsi que les futurs projets que j'aimerais faire. Donc prenez votre petit tricot, une boisson chaude, c'est parti. Le premier cardigan que j'ai tricoté, c'était en février, c'était en... au printemps, je dirais, c'est le cardigan numéro 6 de My Favorite Things to Knit Wear, il me semble, qui est un cardigan qui est intégralement tricoté en mohair et soie. C'est un fil tenu en triple. J'ai pris le mohair et soie du style knitting, coloris Stockholm, il me semble. Je vais vous donner exactement le nom. C'est la laine Bel Air qui fait donc 420 mètres pour 50 grammes. Qui est à 72% de kit mohair et 28% soie. Il se tricote assez vite, j'ai pas noté l'aiguille avec laquelle il se tricote. J'ai dû faire avec des 6 ou des 6,5, mais c'est un échantillon de 15 mailles par 20 rangs. La particularité de ce pull, c'est donc que vous avez un point de dentelle. Je n'avais jamais fait de dentelle avant ce pull-là et... j'aime beaucoup, vous verrez des photos portées parce que c'est vrai que comme ça il ne se tient pas. Je reviens quelques instants sur la laine pour vous préciser à quel point elle est douce et agréable. Beaucoup plus doux que des mohair et soie que j'avais testé dans d'autres marques. Donc j'avais pris de la Drops pas mal, de la Sandness Garn, mais celle-ci est vraiment un cran au-dessus je trouve. Et comme c'est un pull intégralement en mohair et soie, c'est important qu'il soit confortable. Après, si vous êtes intolérant au mohair, je ne sais pas si ça vous conviendra quand même. Je l'avais acheté lors du festival de la laine à Malakoff. C'est très sympa. Et c'est là où j'avais trouvé cette laine que j'avais précommandée pour être sûre d'avoir la quantité nécessaire pour faire mon pull. Puisqu'il faut 6 échevaux, mais il me semble que je vous l'ai déjà dit. Au niveau de la dentelle, donc vous avez un diagramme à suivre qui se suit très facilement. Comme je vous l'ai dit, je n'avais jamais tricoté de dentelle, mais je n'ai eu aucune difficulté pour le faire. C'est simplement des jetés et des mailles ensemble. Dans la globalité, c'est ça, il doit y avoir un troisième point, mais je ne sais pas. Tout est avec des diagrammes par taille. Je n'ai eu aucun problème sur cette dentelle. Enfin, je n'ai eu aucun problème. Au début, je n'arrivais pas à faire un jeté, voilà. Je faisais un truc très bizarre. Donc l'échantillon que j'avais fait, en fait, c'était avec ce truc bizarre. Je ne sais pas ce que je faisais. Je me suis basée là-dessus. Coup de chance, ça allait quand même. Mais c'est vrai que mon échantillon de point de dentelle ne ressemblait pas du tout à ça. Et je me suis un peu demandé ce que j'avais traficoté. Au niveau de la construction, il me semble qu'on commence... Il me semble, parce que ça, je ne l'ai pas noté. Qu'on commence par le dos. On doit raccrocher les devants en relevant les mailles. Au niveau des côtés, on finit... On relève les mailles au niveau des manches, qu'on tricote tout en circulaire avec des côtes au bout. J'ai fait un rabattage à l'aiguille, je ne sais jamais si ça s'appelle un rabattage à l'italienne. Voilà. Moi je dis que j'ai pris une aiguille et j'ai rabattu comme ça, maintenant je rabats que comme ça, c'est mon rabat préféré.
donc que ce soit sur les deux manches forcément et au niveau du bas du cardigan. La grosse difficulté, je dirais, c'est la patte de boutonnage puisque celle-ci se tricote intégralement à part. Donc une fois que vous avez fini tout votre pull, vous prenez votre laine et vous faites une bande comme ça, mais totalement indépendante du pull. Et ensuite, vous venez la maintenir au crochet. Donc je n'avais jamais fait de crochet, c'est pas compliqué, ça s'est bien passé. Mais c'est toujours un peu délicat, je trouve, de rattacher des pièces sur de la maille quand c'est des tissus extensibles, puisque ça peut gondoler. Moi, je sais que je l'ai dû faire au moins 2-3 fois pour limiter les gondolements, parce que j'avais des gondolements partout. Faut tirer au bon moment, pas pour que ça repique pas, mais que ça gondole pas. Et c'est là où c'était assez technique pour moi. Il me semble que j'ai un panté qui gondole un peu. C'est quand même assez propre dans l'ensemble. Et l'autre point, vous verrez, donc là, il n'a pas de boutons. Je lui avais mis des boutons à un moment, mais je me suis rendu compte qu'il était trop lourd. Et donc, j'ai peur de déformer mon cardigan. Je veux des gros boutons avec des paillettes, exactement comme ceux que j'avais, mais j'en cherche en léger. J'en ai racheté sur le site de Mercerie Rascol, mais je n'y mets pas le poids des boutons. Donc, ils sont malheureusement aussi trop lourds. Et sinon, on m'avait dit que cette petite knit avait le bon poids, mais je ne les trouve plus. Et ça m'ennuie de repasser encore une commande de boutons où je vais payer des frais de port. Et en attendant, du coup, je n'en trouve pas. Donc, je pense que je vais finir par craquer pour cette petite knit. Mais j'aurais bien aimé en trouver ailleurs. Aussi, au niveau des boutonnières que vous faites, c'est pas comme les patrons dont j'ai l'habitude. Vous faites justement un jeté de mailles ensemble ou un truc comme ça au niveau de la boutonnière. C'est juste que vous venez étirer. Une fois que vous avez tout fini, vous l'avez tricoté normalement. Vous venez étirer et passer un fil à l'intérieur pour maintenir la boutonnière. Donc, je vous avais fait la taille des précédents boutons qui sont des 20 à 21 mm. Donc, je sais que je cherche des 20 à 21 mm pour mettre dessus. Voilà. C'est un cardigan que j'adore porter. Il tient très chaud puisque 3 fils de mohair et soie, ce n'est quand même pas rien. Je l'ai un petit peu porté, mais pas beaucoup puisque je l'ai fini en avril. On est en octobre, donc là je recommence à le sortir. C'est un bonheur à porter. Et au niveau de tenue, ce que je souhaite faire, c'est le porter avec un pantalon ou une jupe même en fait, mais fermé, mince, mais tout le temps fermé, avec un débardeur. J'ai un débardeur qui est carré, donc qui finirait là. Le cardigan par-dessus qui est col V qui se finit par là. Et c'est pour ça qu'il me faut des beaux boutons pour que ça aille bien et que je puisse le maintenir fermé sans que la patte de boutonnage ne paraisse trop lourde par rapport au reste du cardigan. On passe ensuite au deuxième cardigan que j'ai tricoté, que je n'ai pas avec moi puisque je l'ai offert à ma sœur qui voulait un cardigan noir assez basique col V. Donc je lui ai choisi le Apple Cardigan de Petite Knit que j'ai tricoté dans la même laine que préconisée par le patron, à savoir de la Sandless Garn. J'ai pris la laine Teen Silk Mohair et la Sunday. La Teen Silk Mohair, je vais y arriver. Elle fait 57% mohair, 28% soie, 15% laine. C'est une pelote qui fait 25 grammes pour 212 mètres. Tandis que la Sunday, elle fait 50 grammes pour 230 mètres et c'est du 100% mérinos. Pour réaliser ce cardigan, j'ai eu besoin de 4 pelotes, de Sunday et 5 de Teen Silk Mohair. Il m'en reste un tout petit peu, mais de la même pelote. J'avais suivi ce qui était indiqué dans le patron et je n'ai pas eu de problème au niveau de la laine. Justement, au niveau de celle-ci, c'est pas de la laine qui gratte, mais c'est pas non plus de la laine hyper hyper agréable. Voilà. Si on compare le mohair et soie avec celui que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est sûr que ça n'a rien à voir niveau prix, mais niveau toucher, ça n'a rien à voir non plus. Je pense pas que je rachèterais ce mohair parce que il gratte un peu. Elle, ma soeur n'aime pas trop quand ça gratte, donc là j'étais un peu déçue pour ça. Elle le met quand même, mais j'aurais préféré quand même que ça ne gratte pas puisqu'elle n'aime pas trop ça. Au niveau de l'échantillon, c'est un échantillon de 21 mailles par 28 rangs. J'ai utilisé des aiguilles, je ne sais plus, mais au niveau des aiguilles, j'utilise toujours pour petite knit 0,5 la taille au-dessus de ce qui est préconisé. Donc si c'était du 4, j'ai utilisé du 4,5. Je pense que ça devait être ça. J'ai fait la taille XS ou S, puisque ma soeur est un petit format. J'ai dû faire la taille XS quand même, il me semble.
Donc on commence par le haut ou les devants, puis on descend en fait exactement comme le pull que je vous ai montré. Il n'y a pas de point technique, c'est juste du jersey et des côtes. C'est un peu long parce que vous avez la mer de jersey. Alors contrairement au pull que j'ai fait avant, c'est vrai que c'était un peu plus intéressant d'avoir le point de dentelle qui venait rythmer un peu le tricot. Et on voulait voir avancer les rangs alors que là, c'est du jersey, ça descend et puis voilà. Au niveau de la patte de boutonnage, cette fois-ci, c'était beaucoup plus simple que le cardigan d'avant puisqu'il suffit de relever des mailles. J'ai fait 2 ou 3 cardigans de petite knit et à chaque fois, c'est simplement des mailles à relever. Moi, j'aime bien cette méthode, ça me convient totalement. Pas besoin de sortir de crochet ou autre pour faire ça. Donc, c'est très pratique pour moi maintenant. J'arrive bien à répartir les mailles. Au début, quand j'étais débutante, c'est vrai que j'avais un peu de mal, mais maintenant, ça va mieux. J'ai plus de soucis là-dessus. La petite difficulté, j'ai mis, c'est qu'il y a des augmentations au niveau des épaules. Je ne sais pas trop si c'est des augmentations raglan, je ne saurais pas vous dire. Vous avez des augmentations pour créer l'emmanchure et vous en avez sur les rangs envers et sur les rangs en droit. Il faut être assez souple dans le tricot parce que sinon ça peut vous faire des petits trous en fait quand c'est pas bien fait. Mais si vous faites bien, il n'y a pas de problème. Je vous dis ça parce que la première fois, je l'ai tricoté jusque là et j'ai tendance à tricoter très serré. Du coup, ça faisait des trous, ça se voyait, c'était pas beau, donc je l'ai repris en essayant de relâcher un peu la tension du fil. Et cette fois-ci, j'ai eu beaucoup moins de trous, ça ne se voit pas et c'est très bien. J'ai mis environ 1 mois à tricoter. J'aimerais bien tricoter pour moi parce que j'adore la forme. Noir, c'est pratique, mais je ne sais pas si je le ferai en noir. Après, c'est pas un patron hyper passionnant à tricoter, on va pas se mentir. C'est vraiment un patron zéro cerveau. Moi, je fais beaucoup de patrons zéro cerveau parce que je tricote devant la télé, donc il ne faut pas un truc qui me prenne la tête trop. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'on n'avance pas, je trouve, moi, avec des aiguilles 4 ou 4,5. J'ai fait plusieurs pulls là, comme ça, et j'en vois pas le bout. Donc ça me démoralise un peu, surtout quand c'est des cardigans, c'est pas du tricot circulaire. Mais comme j'aime pas trop non plus les modèles avec trop de dentelles ou de choses comme ça, là, c'est exceptionnel que j'en fasse un. Je sais pas trop pour la suite. Enfin, je dis ça, on verra. On passe ensuite au dernier pull que j'ai tricoté. Il a été assez long à faire parce que j'ai eu plein de problèmes, je vais vous expliquer tout ça. Hop, c'est une petite marinière. Je vous la montre dans le mauvais sens parce que la patte de boutonnage est à l'épaule gauche. Moi qui ai toujours du mal à différencier le devant du dos, là je n'ai pas de problème. Que j'ai également tricoté avec des fils de chez Sainte-Nestéane puisque cette fois-ci j'ai pris la laine duo. 55% laine, 45% coton, 50 grammes pour 115 mètres. Au niveau des couleurs, il m'a fallu 3 pelotes de la marron. Si vous voulez la référence exacte, c'est la 2336 et 8 pelotes de la 1015. J'ai également ajouté, je ne pense pas que ça se verra à la caméra parce que même en vrai c'est très discret, un fil lurex doré que j'avais trouvé sur le site de la droguerie couleur Audrey Hepburn, il me semble. Je vais rajouter un petit côté black bling. J'aime bien ça. Et c'est très sympa, mais ça ne se voit pas beaucoup en vrai. Et sachant que c'est un cône qui est énorme. Hein. J'ai pas noté, mais j'ai même pas utilisé 1/4 du cône. Donc bon, je sais que si j'ai envie, il me reste du lurex sans problème. Donc, au début, j'avais utilisé le patron. Il y a un patron de la droguerie qui ressemble beaucoup à ça, qui est tricoté à plat. J'ai commencé, j'ai plus que commencé puisque j'ai fait le dos, le devant, une manche. Et je me suis dit, mais en fait, il y a un problème, c'est beaucoup, beaucoup trop petit. Il me semble qu'il me reste, c'est bien ce qu'il me semblait, il me reste un devant ou un dos, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais voilà, c'était un petit peu petit. Il m'a quand même fallu que j'en tricote pas mal pour me rendre compte, parce que je me disais qu'au blocage, ça allait s'agrandir. Peut-être que ça allait s'agrandir, mais j'ai pas voulu le tester. Donc j'avais quand même passé plus d'un mois déjà dessus. Je sais que j'avais pris les mêmes aiguilles que pour faire le pull que j'ai fait ensuite, que je vous ai montré. Le problème de celui-ci, c'est voilà, c'était la taille. Les explications étaient assez claires. J'avais pris la taille 3, il me semble, mais ça ne m'allait pas du tout. Et comme vous pouvez le voir, j'ai des restes de laine puisque je n'ai pas eu besoin de détricoter ça pour récupérer la laine et je n'en ai pas recommandé. Donc il y avait pas mal de restes. Hop.
Donc sinon, on peut en revenir à la marinière que j'ai finalement faite. J'ai pris le livre Tricoter en couleur de Elong avec Anna. Là, j'ai un petit regret, c'est que j'étais très pressée de défaire mon tricot quand j'ai pris cette décision pour en recommencer un autre. Donc je ne voulais pas attendre que le livre qui n'était pas disponible près de chez moi arrive en commande. Je l'ai donc acheté en e-book. Et quand je le feuillette, le peu de fois que je le feuillette du coup en e-book, parce que c'est pas quelque chose dont j'ai réflexe, je regrette un peu puisque c'est un livre qui a l'air très beau, avec des belles couleurs, des belles explications. Et je pense que c'est le genre de livre qui vaut le coup d'être vraiment un livre. Donc ça, c'est un peu dommage là-dessus. J'en suis à la limite de me dire que je vais l'acheter. Mais c'est dommage d'acheter un livre deux fois finalement. Sinon, pour le faire, j'ai mis un mois et demi, puisque j'ai commencé mi-juillet, j'ai fini... J'ai mis deux mois en fait, j'ai commencé mi-juillet, j'ai fini mi-septembre. C'est le pull précisément qui s'appelle le pull Clove, qui a un échantillon de 22 mailles par 34 ans. Normalement, il vous faut des aiguilles 3,5 et 3,75. Moi, j'utilisais des aiguilles 4. Il me semble que j'avais pas le bon échantillon, mais c'est pour ça que j'ai pris une taille au-dessus, parce que j'étais au bout pour ce que je voulais, ma marinière. Normalement, je la voulais pour cet été, mais j'avais tellement de retard que j'en ai eu marre. J'ai noté que je n'ai pas eu de difficultés particulières au niveau de la construction. C'est encore une fois comme les pulls que je vous ai montrés. Vous commencez par faire le dos, donc. Ensuite, vous relevez les mailles sur les côtés, vous faites le devant. Vous reliez les deux ensemble. Côté en bas, on a les retours. Ensuite, vous montez le col. Il y a une petite subtilité pour la patte de boutonnage, mais rien de bien compliqué. Et ensuite, vous venez relever des mailles autour de la manche. Vous faites des German Short Row, qui donnent un peu cet effet texturé à cet endroit-là. C'est pas ce que je préfère, honnêtement. Mais bon, je savais que ça allait faire ça, parce que le pull Daisy est monté de la même façon. Mais ouais, c'est pas ce que je préfère, les German Short Row à cet endroit-là. Et ensuite, vous venez diminuer. Et petite côte pour finir. Comme sur le pull que je vous ai montré, j'ai fait un rabattage à l'aiguille que j'adore. Au niveau des fils, ma démarcation de fil se voit un petit peu. Et c'est dommage, mais j'ai fait suivre le fil tout le long. Parce que je pense que rentrer les fils, j'aurais pas eu le courage. J'ai déjà pas mal porté. C'est hyper sympa à porter. Et c'est la première fois que je portais un pull tricoté avec du coton. Et j'ai été surprise parce qu'il commence à faire frais en ce moment. Et avec ce pull, j'ai un peu frais. Donc pour la saison, là, c'est parfait. Mais très vite, il va falloir que j'arrête de le mettre pour le ressortir l'année prochaine. Parce qu'il ne me tient pas assez chaud, malheureusement. Mais bon, il est quand même super beau. Je suis trop contente de ma marinière. Le beige et le marron, c'est vraiment mes couleurs du moment. Donc, je le porte quand même avec grand plaisir. Et depuis que je l'ai fini, c'était il y a une ou deux semaines, j'ai déjà porté 3-4 fois. Donc vraiment, il est bloqué, les fils sont rentrés. Non, je sais qu'il y a un fil qui n'est pas rentré, mais il ne se voit pas. Mais enfin, je le rentre, hein. C'est pas parce qu'il ne se voit pas qu'il ne faut pas le rentrer, c'est pas une excuse. Mais à chaque fois que je m'enlève, je me dis, ah oui mince, j'ai oublié de rentrer ces fils. Mais ouais, faut que je le fasse. On va maintenant pouvoir passer au tricot en cours. Au niveau des encours, j'ai uniquement un projet parce que je suis totalement mono en cours. Si j'en ai deux, même une chaussette et un pull, je n'y arrive pas. Il faut que j'en finisse un avant de faire l'autre, sinon je ne sais jamais lequel faire. Grand dilemme dans ma tête. Donc comme je suis mono en cours, je n'ai qu'un en cours, qui est le cardigan Annie de chez Annie Blatt, que j'avais acheté lors du festival Aiguille en fête en février, qui a mis un temps fou à arriver. Il m'avait prévenu que ce serait en commande. Il a mis plus de 2-3 mois à arriver. Il m'avait dit qu'il y aurait 30 jours et ça a pris beaucoup de retard. Donc j'étais un peu déçue de ce côté-là. Mais comme j'étais bloquée sur ma marinière, parce que je n'avançais pas, ça ne m'a pas non plus énormément perturbée. Je savais que je n'avais pas besoin de le commencer puisque je ne l'ai commencé que maintenant. Donc je vais vous montrer le tout petit bout que j'ai fait. Voilà. Donc c'est un cardigan malheureusement qui se tricote à plat. J'aurais envoyé un message sur Instagram pour savoir s'ils avaient une façon de tricoter en rond, au moins pour les manches. Parce que c'est le genre de truc qui peut me déprimer, tricoter à plat. Et ils m'ont dit que non, donc tant pis pour moi. Mais il est tellement beau que je voulais le faire. Donc là, vous avez un point d'astrakhan en bas. J'ai dû dire ça d'une façon très bizarre, mais je ne sais pas bien prononcer. Donc en bas, sur tout le bord, ça c'est le derrière, le dos. Et ensuite, vous avez... du jersey, c'est un grand gilet en jersey. L'avantage de l'avoir acheté lors du festival Aiguille en fait, c'est que j'ai pu les essayer, ils en avaient plusieurs tailles. Naturellement j'aurais fait une taille M, et comme c'est un pull oversize,
La taille M, je nageais vraiment dedans. Donc j'ai pris une taille S. Leur taille S m'allait tout à fait, qui est quand même la plus petite taille. Donc quand moi je fais les plus petites tailles, je suis toujours un peu sceptique en fait sur le classement des tailles. Parce qu'en couture, je suis toujours une taille 38-40, donc dans le milieu des patrons que j'achète, milieu bas. Donc quand je fais la première taille en tricot, je suis toujours un peu étonnée en fait de ça. Mais bon, donc là on fait la taille S. Enfin, je fais la taille S. Au niveau de l'échantillon, je ne sais pas du tout si je l'ai noté. Si. Non, j'ai juste marqué qu'il fallait des aiguilles 4,5. Il me semble que c'est un échantillon du style 23 par 30, quelque chose comme ça. 21 par 28. C'est pas pareil, hein, vous allez me dire. J'aurais dit 21 par 28, mais je ne suis pas sûre. Je sais qu'ils le font avec des aiguilles 4. Mais moi, mon échantillon était trop petit, encore une fois, avec des aiguilles 4. Donc j'ai pris, comme à mon habitude, 0,5 au-dessus. Au niveau de la laine utilisée, là je suis hyper hyper contente. Donc tout ce qui est tricoté, la bordure du bas, c'est fait avec leur fil Victoria. Hop, il est là, qui est du 100% polyamide. C'est un fil un peu... c'est pas de la laine, hein, ça c'est sûr. C'est en polyamide d'ailleurs. Je ne sais pas ce que c'est comme matière, mais on... Enfin, oui c'est du polyamide, mais je ne sais pas comment vous le décrire. On va dire ça comme ça. C'est comme du ruban en fait. Pas comme du bolduc non plus, mais un mélange de bolduc et de ruban. Voilà, exactement ça. Qui fait 50 grammes pour 100 mètres. Fabriqué en Grande-Bretagne, super. Lavage à la main, bon, se douter. Voilà, ça, ça va arriver comme ça. Et la laine principale, c'est leur laine connue, entre guillemets, enfin pour laquelle j'ai décidé de craquer parce que je voulais l'essayer. C'est une laine 50% Angora, 50% Mérinos. C'est hyper hyper doux, j'ai l'impression de tricoter mon chat à chaque fois, le pauvre il est là-bas. J'ai vraiment l'impression de tricoter mon chat. Je me suis quand même renseignée, les lapins sont bien traités normalement, s'ils respectent ce qu'ils disent et les normes, il n'y a aucun problème pour les lapins. C'est un point qui me tient à cœur, les lapins. Mais normalement ils vont très bien. Et c'est d'une douceur absolument incroyable. Donc je suis hyper contente. J'ai envie de tricoter plein de choses avec cette laine, même si elle est un peu trop onéreuse à mon goût. Au niveau du colis, par contre, il était extrêmement bien présenté. Donc j'ai enlevé deux pelotes, donc il sera un peu moins beau. Je vous disais que j'avais enlevé deux pelotes, donc il sera un peu moins beau que lorsque je l'ai reçu. Mais il est très bien présenté. Pardon pour le petit bruit. Donc vous avez le cardigan que je vais faire. Enfin, ça c'est le cardigan que je vais faire, je ne sais pas si je l'ai parce que c'est leur cardigan qu'ils appellent de base sur la photo ou si à chaque fois vous avez la photo du modèle. Moi je le fais en blanc. Ce qui est bien sur ce cardigan c'est que vous le pouvez porter soit la patte de boutonnage derrière, soit le devant devant. C'est un peu bizarre mais la patte de boutonnage peut être devant ou derrière en fait. J'ai essayé là-bas. C'est vrai que ça fait un côté un peu volumineux par contre. Il faut pouvoir porter ce genre de choses. Et toutes les petites pelotes, je ne les ai pas défaites. Oups. Sont bien alignés comme ça dans le carton, ça j'adore, avec le logo Annie Black comme ça relevé. J'ai appris que c'était une marque qui avait été en liquidation judiciaire et qui avait été rachetée l'année dernière. Donc, c'est pour ça qu'on n'en entendait plus parler, parce qu'il y avait des boutiques avant, maintenant ils n'en ont plus, ils font tout sur internet et ils essayent de relancer la marque. Donc écoutez, je leur souhaite que ça fonctionne. J'ai très envie de tester leur moire et soie. Il a l'air super, j'en ai entendu un, enfin j'ai eu quelques échos, ils étaient très positifs, mais en tout cas leur mohair est, non pas du tout leur mérino et angora est hyper hyper doux. J'espère qu'il tiendra longtemps. Donc c'est tout pour ce pull, j'ai hâte de le finir, j'ai l'impression qu'il va être hyper chaud, mais j'ai vraiment hâte de le finir et de le porter. Enfin, à chaque fois qu'on commence un projet en tricot, j'ai l'impression, ou même en couture, qu'on a toujours hyper hâte de le finir. Même si le process finalement c'est important, ça nous apprend la patience. Enfin moi en tout cas ça m'a appris la patience. Au niveau des projets que j'aimerais réaliser, j'ai beaucoup d'idées. Mais comme un pull maintenant me prend 2 mois, avant ça me prenait 1 mois. Maintenant ça me prend 2 mois, je sais pas ce que je fais. Mais donc le prochain, il y aura un petit moment avant qu'il commence. Mais ma maman m'a demandé une sorte de pull chemise. Vous imaginez une chemise tricotée, voilà. Je vous le décris comme ça. J'ai vu un patron chez Knit for Day, mais les manches ne me plaisent pas.
Je pense maintenant pouvoir faire des manches normales à partir de ce patron. Après, il faut que je vois avec elle si ça pourrait lui convenir. Mais bon, voilà, ça ce serait mon projet tricot. Sinon, pour moi, j'ai très envie de me faire un pull un peu basique comme celui-ci, mais avec un fil mérino mohair standard. Donc pour ça, il y a le très connu petit knit, le no frills sweater avec des raglans ici, ou prendre le Stockholm sweater qui n'a pas de raglan mais qui a des manches montées différemment qui me plaisent beaucoup. Je ne sais pas, j'hésite, les deux me tentent, mais je sais que ce ne sera pas fait maintenant. Après, j'aimerais beaucoup essayer les torsades puisque je n'ai jamais tricoté de torsade alors que ça me tente. Et j'ai vu pour ça que sur le site My Favorite Things, Too Knitwell, elle propose un pull qui est très connu, je vous mettrai des photos, mais très connu, avec des torsades que j'ai très envie de me faire. Il me semble que l'échantillon est un peu plus petit que ce que j'ai tricoté récemment, donc ce serait pas plus mal pour moi qui ai envie de tricoter des choses un peu plus vite. Sinon, c'est à peu près tout pour ce que j'ai envie. Je n'ai pas encore acheté de laine puisque j'attends d'avoir bien avancé mon pull pour m'y mettre. Souvent, j'attends qu'il me reste une manche. Donc, j'ai fait dos devant et une manche ou 0,5 de manche. Et donc, il me reste une manche entière ou la moitié d'une manche pour vraiment commander de la laine et l'avoir. Donc, j'ai pas de stock de laine. Enfin, il me reste que mes restes, mais j'ai pas de stock d'avance. Parce que, comme je vous le disais, comme il me faut 2 mois pour tricoter un pull, je veux pas accumuler parce que, comme j'ai envie de faire beaucoup de pulls, je serais capable d'acheter à chaque fois. Et c'est pas une bonne idée du tout. Donc niveau nouveauté de stock de laine, j'ai rien à vous présenter par rapport à la dernière fois. J'avais juste mon cardigan Annie Black, mais comme je l'ai commencé, c'est pas très intéressant pour moi. Voilà, j'espère que ce podcast tricot vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous êtes en train de tricoter en ce moment, ça m'intéresse. Donc j'espère que tout va bien pour vous et je vous dis à très vite.